Bonjour, je fais un test micro et je vous souhaite la bienvenue pour ouvrir ce festival qu'on est très ému et fier d'ouvrir en votre présence et avec Bérangère Cournu, dont vous avez lu le livre et avec lequel vous avez travaillé. Donc ce matin là, je prends la parole en premier, mais l'idée c'est de, je ne vais servir qu'à la faire circuler la parole le plus possible. En gros, moins on m'entendra moi, mieux j'aurai fait mon travail. Ce qui peut faire sens ce matin, c'est qu'il y a un échange entre vous, d'autant plus que vous avez travaillé le livre dans des directions qui vont nous être racontées par le film d'introduction qu'on va voir en atelier d'écriture et autre chose, dans des directions qui font écho, sans doute, à la façon dont Bérangère Cournu a elle-même travaillé autour de ce livre. Je n'en dis pas plus et je laisse la parole à Valérie Robin. Je souhaite également la bienvenue à Bérangère, mais c'était dans le même temps. On est ravis de vous avoir avec nous, mais vous le savez. Je laisse la parole à Valérie Robin pour vous présenter ce petit film qu'on va voir ensemble et qui va introduire cette rencontre. Merci Yanel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bérangère Cournu et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et on est très très heureux de vous accueillir. Alors donc, ce qu'on va vous proposer là pour démarrer la rencontre, c'est de regarder ensemble un court film. Ce film, c'est un travail qui a été réalisé donc par la collègue Julie du service communication que vous aviez rencontré quand vous êtes venu le 16 janvier. C'est un travail de montage d'un certain nombre de documents que vous avez fait. C'était vraiment un montage de votre travail fait sur, à partir des fiches de lecture, de votre travail fait dans le cadre de vos carnets de reportage et du travail que nous avons tous fait collectivement le 16 janvier au cours des trois ateliers. Voilà. Donc on l'avait pas encore partagé ensemble, donc on trouvait que c'était bien de le partager aujourd'hui, ce matin, et de le partager avec Bérangère Cournu et Gwenaëlle. On y va? Vous êtes bien à l'aise, là? Mettez-vous à l'aise, il fait chaud. Thank you.
Zip. Ok, au plus vous êtes réticents, au plus ça va durer des heures. Donc si vous êtes rapide, comme ça on passe à autre chose. Et bien sûr, il y a Zap. Zap. Un tout petit peu plus doucement, un tout petit peu, comme ça vous allez être vraiment ensemble. C'est-à-dire que les mains doivent être au même niveau, parce que là vous avez les mains en haut et en bas. Regarde, précise les mains, précise les poings. La chasse, tu peux avoir sur le regard. Tu peux avoir, est-ce que c'est, tu chasses avec un fusil? Est-ce que tu chasses avec, je sais pas, une lance? Est-ce que tu... C'est à moi de faire, donc ça. Et vous pouvez vous déplacer, super. Bravo. Vraiment, on est au théâtre, on peut utiliser l'espace, utiliser votre corps en fait. Vous n'êtes pas obligé d'être situé ici. Je vais faire l'ours, en question. Par exemple, j'arrive, par exemple, je vois deux filles, j'arrive, par exemple. Je fais comme ça, et qu'est-ce qu'ils font? Faut pas bouger. Faut pas bouger. Faut attirer l'attention, quelqu'un parle d'attention, faut le jette, il va regarder ailleurs. Ah non, attends, regarde. Et regarde. Ok, démonstration. Démonstration. En image. Ah, ah. Bienvenue sur la chaîne Objet News. Alors aujourd'hui nous avons une invitée. Bonjour. Qui se présente ici. Je m'appelle Océane et je vais vous présenter mon objet. C'est un objet familial, plus précisément une alliance. Bonjour, bienvenue sur Objet News. Alors parlez-moi à propos de cet objet, d'où il vient, de quand il date, à quoi il a servi. Bah déjà il date... d'une trentaine d'années environ. Il a servi pour un service militaire. Je l'ai retrouvé il y a... Ça fait 2 ans à peu près que je l'ai retrouvé. Je cherchais, je sais plus, une paire de crampons, des protège-tibias, je sais plus. J'ai trouvé ça. J'ai posé des questions à mon père, il m'a expliqué. Et puis j'ai décidé de le sortir de son tiroir et de le mettre dans ma chambre, vu que ça appartenait à mon oncle. Puis, voilà. Alors Céline, nous présentons ton objet. Alors voilà, je suis un passeport. Et un passeport turc. Je pense que c'est assez important. Quoi. C'est grâce à celui-là que mes parents ont pu venir en France. Donc je pense que oui, très important. Cet objet, je vais vous le présenter. C'est un piston. C'est ce qui va dans un bas moteur de scooter. Ça a appartenu à mon tout premier scooter quand j'apprenais à faire des roues. Pouvez-vous nous expliquer ouais. On a un public assez... Ouais. Par exemple, c'est quand on met un bon coup de fesse sur le scooter et on arrive à tenir en assez longue durée sur la roue arrière. Sur la roue arrière. Maintenant, je sais le faire, hein. Non, ouais, faut vous dire. Comment ça s'appelle, ça? Des roues arrière. Des roues arrière. Et je me suis retourné et je m'étais ouvert la jambe. Carrément? Ouais, carrément. Ah, oui. Mais ça va, hein. J'ai pas eu mal, hein. Et qu'éprouvez-vous? Qu'est-ce que vous éprouvez pour ces sandales? Est-ce que côté sentimental, est-ce que vous tenez à cœur? Bah oui, ça vient de mon pays et je le trouve tout beau. Et c'est comme je vis pas là-bas, je suis pas là-bas non plus. Bah c'est comme un souvenir. Ok, intéressant. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. C'est bon? Ok, bravo. Merci. J'aimerais que tu décrives cet objet en un mot pour toi. Bah, pour moi, ça signifie l'amour. Un mot, un mot. Ouais, l'amour. L'amour, c'est tout. D'accord, merci. Ça marche, ça. Oui. Est-ce qu'on nous entend? Oui. Est-ce qu'on entend Bérangère? Pas super, si. Si? Là, ça, oui, là, ça. Rebonjour, Bérangère. Rebonjour, bonjour à tous. Bravo pour ces ateliers. Et j'aurai plein de questions à vous poser, mais on va voir si on a le temps. On va commencer la discussion. On s'est dit, pour tenir le temps, justement, qu'on essaierait de finir par des lectures de certains des textes que vous avez faits, si vous en avez envie. Donc ça viendrait... À la fin de l'heure, je le précise pour situer.
Et justement, situé. Le film, en même temps, est très bien fait et résume certaines des étapes de votre travail. Mais ce serait intéressant de nous en dire plus. Et je voudrais m'adresser en premier lieu à vos professeurs pour que vous nous disiez, en tant que professeur, mais aussi en tant qu'individu, l'intérêt d'avoir travaillé sur ce livre-là. Et l'intérêt que vous y avez trouvé aussi bien personnellement, parce que une lecture c'est aussi et toujours, même quand on est professeur, une subjectivité à l'œuvre, que d'une façon pédagogique. Donc est-ce que l'un ou l'une d'entre vous, des professeurs qui ont encadré ce travail, peut nous raconter à Bérangère et moi et à tous ce qui s'est passé et qu'on vient de voir? Est-ce qu'on peut donner un micro au professeur? Est-ce qu'on pourrait avoir un micro qui circule, du coup, pour, ou pas? Est-ce qu'on a un micro qui peut circuler ou pas, qu'on le sache? Voilà, du coup. Merci. Merci. Si c'était possible d'avoir un peu de lumière sur les élèves... Non, c'est pas possible, d'accord, bon. OK. Alors, du coup, n'hésitez pas, quand vous parlerez, n'hésitez pas à vous lever pour que je vous voie. Oui, donc pour... ça n'a pas fait de l'arsène si je me mets là, non? Ouais. Donc pour expliquer un peu le sens du projet et puis des réalisations que vous avez vues là, donc il faut dire que ce projet, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un projet de classe donc, qui concerne trois collègues. Donc Madame Liman qui enseigne l'histoire et la géographie, moi le français, et puis Madame Meyer qui est documentaliste. Et c'est un peu ces trois matières qu'on a voulu croiser. C'est pourquoi le projet de classe est autour du carnet de voyage. On a vu sur les premières images celui d'un des élèves. Donc on a voulu voyager avec les élèves. Voyager d'abord pas trop loin, c'est-à-dire voyager à Paris. On a fait beaucoup de sorties à Paris, on a vu beaucoup de musées. Et puis avec votre roman, on a voulu voyager beaucoup plus loin. Voilà. Et cette espèce de voyage immobile qu'est la lecture, voilà, c'est vraiment ça qu'on a voulu faire. Pour trouver un angle... on s'est dit que les objets, ça nous plaisait bien, hein, parce que dans votre roman, il nous a semblé, en ouvrant des premières pages, qu'ils étaient absolument centraux. Et puis, les objets, c'est aussi ce qu'on trouve dans les musées. Et les musées, c'est un endroit qu'on aime. Enfin, vous, les élèves, vous aussi, si vous aimez les musées. C'est un endroit qu'on aime, nous, vos professeurs. Et voilà, c'est aussi... Enfin, je voulais juste dire ça, je suis un petit peu ému, donc je vais essayer de faire vite. Que pour ce projet, pour moi aussi, c'est aussi aller dans les endroits que j'aime. Donc cette bibliothèque qui a été un endroit où j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais étudiant. Aller avec les élèves dans les musées et puis aussi lire et les faire lire. Voilà, donc c'était trouver, d'où le sens du projet, à travers les sorties, à travers les objets des musées, les objets du roman. Voilà, des espèces de portes d'entrée dans la littérature et dans la lecture. Voilà, parce que ces jeunes gens, on se le cache pas, on s'est souvent dit, ne sont pas de grands lecteurs. Voilà. Mais bon, ils ont joué le jeu. Voilà, et je les remercie pour ça. Merci. Et merci à toutes et à tous. Alors, je prends la balle au bon. Vous avez dit que vous aimez les musées. Et du coup, je vais poser à Bérangère cette première question de contexte en me disant aussi que ça résonne, c'est-à-dire de vous voir passer vous-même dans des musées. Je sais que ce livre-là, et puis c'est pas dur de le savoir, c'est écrit à l'intérieur, a été aussi travaillé avec des musées, notamment le Muséum d'Histoire Naturelle, sur une durée assez longue. Si vous pouviez nous le raconter, ça me permettrait de vous voler votre première question, hein, parce que j'ai vos questions, mais après je vous les laisse, qui était: comment avez-vous trouvé toutes ces informations sur les Inuits et les mots en Inuit? Eh bien ça, je sais effectivement que ça, c'est un long travail d'imprégnation via le musée, notamment, et tout ce que le musée apporte. Oui, au départ, j'ai lu des livres... alors déjà, l'idée du roman Inuit, bizarrement, je l'ai eu dans un désert chaud d'Arizona, dans le sud des États-Unis. Mais donc j'étais vraiment pas sur place, c'est juste que j'avais commencé à m'intéresser aux cultures qu'on appelle les cultures amérindiennes, les cultures premières, c'est-à-dire les peuples qui habitaient sur les territoires actuels depuis très 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 longtemps.
Et donc au début, bah, j'ai acheté moi quelques livres un peu partout où je les trouvais, aussi bien dans des librairies d'occasion que sur Internet ou dans les quelques fois des livres neufs. Et puis en fait, assez vite, il y a un moment donné où le musée apparaît comme... Parce que vous voyez, là, l'Arctique, c'est pas facile d'y aller. C'est pas facile de le comprendre, c'est pas facile d'y rester longtemps. Donc en fait, la meilleure façon de me projeter dans l'Arctique, pour moi, c'était d'aller dans les musées qui renferment les collections de musées, enfin de pièces qui viennent de l'Arctique. Et surtout, vous savez que quand on lit ou quand on écrit ou quand on est quelque part, quand on fait un travail, on travaille jamais tout seul en fait. Parce que en fait, soi-même, on n'est pas grand-chose. On est quelqu'un. On va apprendre des choses, on va ressentir des choses. Mais vous voyez, écrire un livre sur l'Arctique en quelques années, alors que c'est un territoire qui est immensément grand, qu'on peut pas imaginer. On peut pas faire ça tout seul. Donc, on a besoin de toutes les expériences des autres. On a besoin d'aller au contact des travaux, soit des gens qui y sont allés, et c'est ce qui m'est arrivé au Muséum d'Histoire Naturelle, puisque j'ai rencontré des anthropologues qui étaient allés très souvent sur le terrain, toute leur carrière, en fait, notamment deux femmes qui ont passé 40 ans de leur vie professionnelle à aller régulièrement ce qu'on appelle sur le terrain, c'est-à-dire dans l'Arctique, à la rencontre des gens. Et puis, je suis allée aussi consulter des objets qu'avait ramené un explorateur qui est très connu, qui s'appelle Paul-Émile Victor. Et donc le fait, d'un seul coup, le fait de toucher des objets que lui avait ramenés, au départ, c'était, j'allais dire, une curiosité intellectuelle, c'est-à-dire que j'avais envie de voir les objets, j'avais envie de lire les livres, son journal. Mais d'un seul coup, de voir les vrais objets, ça devenait un peu autre chose. J'avais l'impression qu'en touchant les objets que lui avait ramenés de l'Arctique, d'une certaine façon, je touchais moi-même l'Arctique. Et je ne sais pas si c'est ce que vous avez ressenti. En présentant vos objets, j'ai vu qu'il y avait une pièce de scooter, qu'il y avait des bracelets, des chaussures confectionnées. Alors, d'ailleurs, elle est là, l'élève qui présentait la paire de chaussures ? Elle est où ? Je voulais poser une question. Parce qu'en fait, on n'entendait pas bien. Tu veux bien nous redire d'où elles venaient, ces chaussures, ces tongs ? Elle vient en Haïti. Oui. Redis, pardon, j'ai pas entendu. Haïti. D'accord. Et tu les as toi-même achetées là-bas ou elles t'ont été offertes ? Non, elles ont été confectionnées par la sœur de ma belle-mère et qui l'a envoyée à sa nièce. Vous voyez, c'est génial. Et donc toi, tu ne les as pas reçues là-bas, en Haïti ? Non. Et vous voyez, je ne sais pas si toi, ça te fait ça, mais en fait, moi, le fait de tenir entre les mains des objets qui ont autant voyagé... ça m'apporte un peu du territoire dont ils viennent, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'une certaine façon, je voyage avec l'objet et je voyage aussi surtout avec toutes les personnes qui l'ont confectionné, qui l'ont tenu entre leurs mains, qui m'ont transmis, voilà. S'il y a un mot qui est intéressant dans tout le travail que je fais, c'est bien la transmission, c'est-à-dire que moi, vous voyez, j'ai écrit un roman sur l'Arctique. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà allés dans l'Arctique? Non. Voilà. Moi, je n'y suis pas allée jusqu'au mois. J'y suis allée après. J'y suis allée après. J'y suis jamais allée pendant l'écriture du livre. J'y suis allée le mois dernier, en fait. J'y suis allée en janvier. Pour la première fois, je suis allée en Alaska. Et donc, vous voyez bien, moi, dans cette affaire, je ne suis qu'une courroie de transmission. C'est-à-dire que je vous ai peut-être appris beaucoup de choses sur l'Arctique, mais moi-même, je n'y étais pas allée. Mais grâce aux travaux de plein de personnes, je l'ai fait de la façon la plus honnête, la plus scientifique possible, avec mes outils qui sont ceux du roman. C'est-à-dire que comme écrivaine, je me suis emparée des travaux des autres pour vous transmettre quelque chose. Et au musée, c'est un peu ce qui se passe. Généralement, on va voir des objets... je crois que vous êtes allé au musée du Quai Branly, c'est ça ? Ouais. Et donc vous avez vu là-bas des centaines, peut-être même des milliers d'objets de pays. Il y a très peu de chances pour que l'un d'entre vous aille dans tous les pays qui sont représentés au musée du Quai Branly, par exemple. Ça ne nous empêche pas d'avoir une idée de ce qu'ils font, de ce qu'on fait dans ces pays-là. Et puis, je ne sais pas si vous voulez poser d'autres... Moi, j'aurais plein de questions à vous poser.
Moi, je suis d'accord. Enfin, vous pouvez leur poser des questions aussi. Mais je sais pas. Mais de la même manière, le micro se balade. Dès que vous avez quelque chose qui vous vient, et d'ailleurs qui est de l'ordre de la question, autant que du témoignage, hein, prenez la parole aussi librement que vous en avez envie, puisque vous avez lu le livre et travaillé avec. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Maïssa. Maïssa. Et en fait, je voulais savoir si vous êtes inspirée d'une vraie histoire dans le livre. Alors, est-ce que je me suis inspirée d'une vraie histoire ? Non, pas dans le sens où cette femme aurait existé. Mais vous voyez, on est vraiment à l'articulation de ce qu'on a. Alors, j'ai travaillé aussi avec des lycéens, en fait, quand j'étais au Muséum d'Histoire Naturelle, et j'ai beaucoup travaillé sur cette articulation entre science et littérature, dont moi j'ai l'impression qu'on me l'a toujours présentée comme étant opposée. C'est-à-dire que soit on était scientifique, soit on était littéraire. Or, en fait, il se trouve que moi, comme écrivaine, en fait, je me suis inspirée quasiment que de travaux scientifiques. Alors, scientifiques, il y a de la géographie, de la glaciologie, par exemple, c'est-à-dire la science des glaces, mais il y a aussi les sciences humaines qu'on appelle l'ethnologie, par exemple, qui est la science des peuples sur des territoires particuliers. Et donc, l'histoire que je raconte, elle n'est pas inspirée d'un vrai destin de femme. Donc, d'une certaine façon, je suis obligée de dire qu'elle est complètement fictionnelle. Mais d'un autre côté, je pourrais vous dire tout est vrai. C'est-à-dire que tous les objets dont je parle, toutes les situations que je décris, je sais qu'elles ont potentiellement existé. Alors, elles n'ont pas existé dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas une femme qui a été séparée. Mais voyez, par exemple, la scène inaugurale. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, la scène du début, là, la scène où la banquise se fend. Est-ce qu'elle vous a été... Enfin, la séparation avec la famille, elle vous a fait quoi ? Ça vous a fait quoi ? Ça t'a fait quoi, tu dis ? Genre, ça m'a fait mal, un peu. Ça t'a fait mal. D'autres, ça vous a fait quoi ? C'est triste, c'est quand même... C'est hyper violent, en fait, cette séparation de famille. Donc voilà, et je prends cet exemple-là en particulier parce qu'en fait, il se trouve que quand j'ai fait des recherches, j'ai lu un texte qui s'appelle « Komok l'Eskimo » et qui est le récit d'une véritable histoire d'une famille Eskimo. Donc maintenant, on dit Inuit, mais avant, on parlait d'Eskimo. La scène dont je me suis inspirée pour ce début de roman... En fait, dans la réalité, elle a été pire que ça. C'est-à-dire que le récit que j'ai lu, et ça, on sait que c'est arrivé, puisque c'est une famille inuite qui l'a raconté, c'est qu'en fait, en pleine nuit, la banquise s'est fendue au milieu de l'igloo. C'est-à-dire qu'elle a séparé une famille dans son habitat même, dans son abri, quoi. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça pourrait paraître... Vous voyez, on verrait ça au début d'un film, on se dirait, oh là, bon, c'est quand même hyper tragique, ils sont poussés de bouchons un peu loin. Ben, en fait, dans la réalité, les situations que moi, je décris, celle-là, par exemple, dans la réalité, elle a été bien pire, puisqu'elle a séparé le père, la mère et un enfant, et tout le reste de la famille, c'est-à-dire tous les autres enfants, un oncle, une tante, tout ça, se sont retrouvés de l'autre côté. Donc voilà, l'histoire d'Ouxouralik, elle n'existe pas en tant que telle, mais la plupart des scènes que je raconte sont des choses que j'ai piochées à droite à gauche. Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ouais. Je vous remercie. Ah oui, vous avez mis combien de temps à écrire le livre ? J'ai pas entendu, pardon. Combien de temps ? Vous avez mis combien de temps à écrire le livre ? Alors, c'est toujours assez long, c'est-à-dire que je dirais qu'en fait, l'idée du roman, je l'ai eue en 2011, et j'ai fini de l'écrire en 2000... attends, il est sorti... On est en quelle année ? En 2020, il est sorti en 2019, donc moi, j'ai fini de l'écrire fin 2018. Donc, voilà, il y a 7 ans. Alors, évidemment, j'ai pas fait que ça pendant 7 ans, tous les jours, mais c'est vrai que... Alors, d'abord, j'avais écrit et fini un autre roman, mais... De manière générale, je suis toujours sur ces délais-là. C'est-à-dire qu'un livre, ça me prend entre 5 et 7 ans. Parce qu'il y a le moment où j'ai l'idée, il y a les années où je me documente. Et puis là, vraiment, l'écriture à proprement parler, elle a duré un peu moins de 3 ans. Et alors, vous, ça vous paraît peut-être beaucoup, mais moi, ça m'a paru assez rapide, en fait, parce que d'autres fois, j'ai passé plus longtemps sur des textes. C'est parce qu'en fait, il y a tout un travail d'imprégnation. Ça mûrit beaucoup dans ma tête. Vous voyez, par exemple, là, le prochain roman que je vais écrire... J'en ai pas écrit encore une seule ligne, j'ai pris des notes à des endroits, mais
je l'ai en tête depuis plus de 2 ans. Et il commence à se dessiner, je le vois déjà. Alors si je l'écris, j'aurai que 10 lignes à écrire, c'est-à-dire si j'écris ce que j'ai dans la tête, ça tiendra en 10 lignes. Mais dans ces 10 lignes-là, j'allais dire, c'est un peu comme une carte, quoi. Il y a plein de trucs qui vont se déployer. Donc le temps d'écriture, voilà, il est de, on va dire, à mon avis, moi, il me faudra toujours 2-3 ans pour écrire un roman. Mais voilà, ça mûrit dans ma tête avant. Puis vous voyez, le travail de documentation, il est quand même assez conséquent. J'ai passé pas mal de temps aussi avant d'écrire. J'ai pris beaucoup de notes, j'ai lu beaucoup de livres. C'est le cas pour tous vos livres, c'est le processus à chaque fois. Je pense celui d'avant, puis le prochain. Alors celui d'avant qui était sur les Hopis, c'était exactement, parce que c'était déjà une immersion comme ça dans un territoire et un peuple lointain. Les précédents, c'était un peu différent parce que ça sortait complètement de ma tête, donc il n'y avait pas cette phase de documentation. Et le prochain, il ne sera pas du tout ethnologique. Et malgré tout, ça va se passer comme ça quand même. Parce que maintenant, j'ai pris goût aux sciences, en fait. Et donc, je lis très peu de littérature, moi, maintenant. Je pense que ça représente seulement 20% de mes lectures. Le reste, c'est... Par exemple, en ce moment, il y a un truc qui m'intéresse pas mal. Alors, la géologie, l'histoire des pierres, je trouve ça hyper intéressant. Et puis, par exemple, des choses sur l'acoustique en ce moment. Il y a des gens qui capturent des sons dans la nature, et alors ça me fascine. Voilà. Et ça va venir nourrir un roman un jour. Enfin, ça va venir nourrir des sensations. Parce que vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, si je veux écrire un jour sur la forêt amazonienne, bon, maintenant, c'est sûr que j'aurais envie d'y aller. Mais je passerai jamais assez longtemps dans la forêt amazonienne pour pouvoir entendre tous les bruits qui sont là-bas. Donc je vais me fier à quelqu'un qui aura enregistré ces sons-là pendant des années, par exemple. Et c'est sur les objets, j'ai trouvé ça chouette aussi. Vous sentez bien comme on arrive à faire passer quelque chose. Ouais, ça me travaille. Quand j'ai vu la vidéo, j'avais envie de vous poser la question, je vous le posais. Est-ce que quand vous avez présenté les objets comme ça, vous avez senti que c'était autre chose quand on parle autour d'un objet que simplement quand on parle, de mécanique entre copains ou d'accessoires de mode, alors j'allais dire entre filles, mais pas seulement, entre garçons aussi. Mais est-ce que vous avez senti que le fait de, ou comme dans les mimes, le fait de changer de mode d'expression par rapport à ce qu'on fait d'habitude autour d'un café, ça change quelque chose. Est-ce que vous avez aimé faire ça, la discussion autour de l'objet, partager ça, ouais. Vous sentez que des fois, parce qu'il y a beaucoup de sujets en fait. Il y en a par exemple par ici qui avant de lire ce livre-là. Avait un goût pour le Grand Nord, enfin était un peu fasciné par exemple par le fait qu'on puisse vivre à des températures extrêmement froides ou pas, ou c'était pas trop dans votre tête ça. J'ai vu aussi que il y avait pas mal de photos de pays du Sud, maghrébins, africains. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sans être jamais là-bas ou sans y aller souvent en tout cas? Est-ce que vous sentez que quand vous en parlez au travers d'un livre ou d'un objet, vous en parlez différemment de ce que vous faites dans votre quotidien? C'est sûr, hein, il me semble. Donc voilà, les livres, les musées, les types d'ateliers, ça sert à ça aussi. Ça sert à parler des choses qu'on aime un peu différemment. Et du coup, on est obligé de faire des recherches en fait soi-même. Et c'est ça que je voulais. Et je finis le tour de ma question. C'est qu'en fait, c'est ça. C'est quand je vous dis que j'ai travaillé des années sur les Inuits, en fait, j'ai pas l'impression de faire un travail. C'est juste que ça m'intéresse, quoi. Je me lève le matin et je me pose des questions sur comment construire un igloo. Alors, qui c'est qui a dit qu'on construisait les igloos avec des vieux ou des anciens Je trouve ça assez drôle. Bon, à vous les questions, sinon je parle tout le temps. Bonjour. Bonjour. C'est pour savoir comment... Hein? Comme ça? Oui. Ah, ok. Là, je t'entends. C'est pour savoir la fille, là, Uxuralik. Uxuralik, ouais. Ouais. Comment son amour, il est mort? Parce que j'ai pas bien compris, genre, c'est qui l'a tué? Eh bien, c'est rigolo parce que je vais faire une lecture ce soir et puis je parle de ça. Effectivement, Touloukarak, comment il est mort? Alors, de notre point de vue, enfin d'un point de vue rationnel, j'allais dire, en fait, il a un accident de chasse, c'est-à-dire qu'il part chasser avec son kayak, et en fait, en poursuivant un morse,
Il s'approche d'un iceberg. Et voilà, en fait, les accidents de chasse chez les Inuits sont très fréquents. Il suffit d'être à côté d'un iceberg qui se retourne. Ça crée un, presque comme un raz-de-marée, j'allais dire, enfin une grosse vague. Donc les façons de mourir d'un accident de chasse, alors je dis de la chasse parce que voilà, la pêche c'est vraiment quand on pêche des poissons au trou de glace, mais sinon quand on est avec quand on chasse les mammifères marins, c'est de la chasse. Donc voilà, de façon rationnelle, il meurt d'un accident de chasse, c'est-à-dire que son kayak se retourne, il se noie, on ne sait pas trop, on n'y était pas. Mais dans la culture inuite, en fait, on considère dans la scène du roman dont tu parles qu'en fait c'est son père qui l'a tué. Parce qu'en fait, son père a déposé, la nuit précédant cette chasse, il a déposé ce qu'on appelle un petit objet qu'on appelle un tupilak, et qui est en fait un objet que certaines personnes ayant certains pouvoirs, qu'on appelle plus ou moins des chamans, mais quasiment tous les Inuits traditionnellement pouvaient faire ça. Si tu sculptes un objet qui a une forme bizarre, c'est-à-dire qu'il a une forme d'esprit, il est, en l'occurrence ce tupilak-là, et c'est un mélange entre une femme et un morse. Et quand tu le sculptes avec l'idée que qu'il va faire du mal à quelqu'un, et ben cet objet devient un objet magique puissant. Et effectivement, il va faire du mal à cette personne. Mais ce qui est rigolo, c'est que si l'objet n'y arrive pas, c'est-à-dire que si tu ne l'as pas assez bien sculpté et que tu ne lui as pas donné un ordre assez précis pour aller tuer la personne ou en tout cas faire du mal à la personne à laquelle tu as choisi d'en faire, le Tupilak, s'il échoue dans cette mission-là, il va se retourner contre toi. Et c'est toi qui l'attaqueras à ta prochaine partie de chasse. Donc voilà, vous voyez, chez les Inuits, alors voilà, d'une façon rationnelle, on peut dire que Tulukarak est mort d'un accident de chasse, mais dans la spiritualité des Inuits, il est mort d'autre chose. Il est mort à cause de son père qui a mis cet objet magique, maléfique, auprès de lui. Et ça, c'est des choses qui, pour nous, sont très difficiles. On a du mal à y croire. Au début, quand on lit ça, on se dit, oui, bon, d'accord, c'est des croyances. Et en fait, quand on se projette dans l'Arctique, eh ben, on peut comprendre que ces croyances-là, elles soient assez réelles. En fait, il y a un rapport avec les éléments, avec les animaux et avec les esprits que nous, on a du mal à comprendre, mais qui peut exister dans un environnement désertique comme ça. Il faut imaginer que vous êtes, par exemple, une famille, un groupe d'Inuits, ça peut être 20 personnes qui sont isolées. Il n'y a personne à des centaines de kilomètres. Et ils sont toute la journée avec du vent dans les oreilles, de l'eau sous les pieds, qu'elle soit glacée ou liquide. Et donc, forcément, ils entendent peut-être plus facilement les éléments que des raisonnements humains comme nous, on a l'habitude d'en tenir. Voilà. Une autre question par ici ? Ça marche. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Abdel. Enchanté. Enchanté. C'est ma question, c'est est-ce que vous avez déjà rencontré un chaman ? Alors, a priori, non. Wow. Parce que, en plus, les chamans. Alors, en fait, les Inuits, ils ont été. Il y a une centaine d'années, que ce soit au Groenland, au Canada ou en Alaska, les Inuits vivaient vraiment entre eux. Il n'y avait pas de contact avec les Blancs. Et les chamans étaient très nombreux, etc. Et ensuite, à partir de. Voilà, il y a environ un siècle, des fois un peu avant, des fois un peu après, selon les régions de l'Arctique, les Blancs sont arrivés et il y a eu ce qui s'est mis en place, la colonisation, et notamment la colonisation spirituelle, c'est-à-dire qu'on a envoyé alors, des fois des pasteurs, des fois des prêtres, enfin, voilà, et qui les ont christianisés, on va dire. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, il y a pas mal de villages dans lesquels les deux ont cohabité pendant longtemps, c'est-à-dire qu'ils croyaient à la fois en Dieu, le dieu monothéiste, voilà, la religion le plus souvent chrétienne, et en même temps, ils continuent à avoir des pratiques chamaniques. Mais on leur a quand même pas mal interdit ce type de pratique, donc en fait, ça s'est fait un peu en secret. Donc, c'est possible qu'en rencontrant des Inuits, j'ai rencontré des Inuits qui savent eux-mêmes avoir des pouvoirs chamaniques, mais personne m'a dit, personne m'a été présenté comme chaman, voilà. Et puis, c'est vrai que ça s'est un peu perdu ces dernières décennies. Et c'est en train de revenir un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a une forme de fierté de leur identité qui est en train de revenir. Et en fait, le chaman, est-ce que vous savez ce que c'est exactement un chaman ? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire ce que c'est qu'un chaman, en fait ? Enfin, la compréhension que vous en avez, en tout cas. Alors, il y a le micro qui circule, vous pouvez... Un chaman, je crois que c'est un guérisseur et qui peut parler aux esprits, non ? Voilà, un guérisseur qui peut parler aux esprits.
En fait, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui fait le lien entre les esprits et le monde humain. Alors, il se trouve que oui, il a des pouvoirs de guérisseur, mais son principal rôle, en fait, c'est d'être capable d'interpréter les messages envoyés par les esprits à travers les éléments. Et puis, on dit même qu'ils font des vols chamaniques. C'est-à-dire que là, on va carrément encore plus loin. Son corps reste dans l'igloo ou dans la maison de tourbe, mais son esprit part en voyager, va jusqu'à rencontrer l'homme-lune, parce que chez les Inuits, la lune, l'homme-lune, c'est un esprit. Voilà. Et donc, effectivement, il est à la jonction entre l'esprit entre le monde des humains et le monde des esprits. Et ça, je pense que nous, dans notre culture, ça paraît un peu, comment dire, on se dit, ce sont des croyances, on n'y croit pas. Et en fait, quand on vit dans d'autres types de territoires que nous, on est tout le temps en ville, en fait, on n'a plus de contact avec la nature, très très peu. Mais quand on vit au contact de la nature tout le temps, c'est pas tellement étonnant qu'il y ait des humains qui se disent, mais moi, je vais pouvoir interpréter les signes du... Alors après, ça devient des esprits, mais en fait, au départ, ce qu'ils interprètent, c'est le son du vent, c'est la couleur du ciel, c'est le déplacement des étoiles dans le ciel et tout ça. Et du coup, c'est aussi une des choses qui construisent le récit. C'est-à-dire que les rêves, enfin, ça vous l'avez vu, ont une grande importance. Mmh. Et ils ne sont pas du tout illustratifs. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est assez poreux, quoi. Ce qui se passe dans les rêves fait partie de l'action. Et donc, ça, encore une fois, je trouvais ça intéressant en tant que lecteur sur ce que ça produit. Et ça découle aussi d'une réelle documentation. Oui, oui. Et puis, c'est comme dans la plupart des cultures amérindiennes, en fait, le rêve, c'est pas un petit truc anecdotique qu'on fait la nuit comme ça, dont on se dit le matin, oh là là, c'est absurde. On considère que c'est un véritable message qui est adressé au rêveur, et non seulement à lui, mais à la communauté en général. C'est-à-dire que... Et ça peut même être un mauvais présage, et ça peut même être... c'est une réalité en soi, quoi. C'est comme si vous, par exemple, vous allumez la télé le matin ou la radio et vous entendez dire que le coronavirus est en train d'arriver par l'Italie, etc. Pour vous, ça fait aucun doute, c'est une réalité. Enfin, vous remettez pas en question cette info. Alors, vous pouvez la remettre un peu en question, mais enfin, globalement, vous savez que c'est une information qui ne vous touche pas directement. Vous l'avez reçue par la radio, c'est-à-dire par des ondes, par un truc immatériel, et vous ne remettez pas en doute le fait qu'en Italie et en Chine, il y a des cas de coronavirus. Bon, chez les peuples premiers, enfin voilà, donc les Inuits, plein de peuples amérindiens, on se réveille le matin, on prend le petit-déj, on allume le feu, etc. Et quand quelqu'un dit qu'il a rêvé de l'ours au-dessus de la rivière, et que l'ours pêchait des saumons au-dessus de la rivière, c'est comme s'ils avaient entendu la nouvelle à la radio. C'est-à-dire qu'il y a un ours et des poissons. Enfin, il y a quelque chose à interpréter dans ce rêve-là. Ça veut dire que soit il ne faut pas y aller parce que l'ours est à cet endroit-là de la rivière, soit au contraire, il faut y aller parce que l'ours est en train de vous dire qu'il y a du saumon qui est en train de remonter la rivière un peu plus loin. Donc, il faut y aller. Vous voyez, le rêve, ce n'est pas le petit truc farfelu qu'on fait dans son coin, c'est un mode de communication entre... Les humains entre eux et entre eux, les humains et la nature. Et ça, pour nous, voilà, c'est un petit peu inhabituel, on va dire. Oui ? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Lamia. Et enchantée. Je voulais vous demander où est-ce que vous avez trouvé les noms et si ils sont réels. Alors, c'est une très bonne question. Où est-ce que j'ai trouvé les noms et est-ce qu'ils sont réels ? Alors, certains sont des noms que j'ai vus, sont des vrais noms. Une précision quand même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des Inuits s'appellent Joël, Steven, enfin, ils ont souvent des noms en lien avec les pays. Donc en Alaska, ils ont beaucoup de noms anglo-saxons, etc. Mais généralement, ils ont aussi un nom Inuit. Et traditionnellement, ils avaient des noms Inuits qui en fait n'étaient pas seulement des noms, des prénoms, c'est-à-dire c'est pas seulement, c'est des mots qui signifient quelque chose. Et donc par exemple, j'ai jamais vu un personnage, enfin j'ai jamais lu un document qui m'aurait dit que quelqu'un s'appelait Uksuralik, mais c'est très plausible, c'est-à-dire que ça aurait pu exister. Et moi, je l'ai pas choisi par hasard ce nom parce qu'effectivement, il veut dire, en fait, il veut dire animal blanc qui est debout. Et quand donc ça veut dire ça, littéralement, le nom veut dire ça, animal blanc qui se tient debout. Et ce qui est rigolo, c'est que ça peut désigner aussi bien l'ours, qui est un animal blanc qui se tient debout, l'ours polaire, que l'hermine, qui est aussi un tout petit animal blanc qui se tient debout. Et,
Et donc voilà, donc c'est, vous voyez, ça c'est un, et chez les Inuits, on dit que le nom n'est pas donné par hasard. D'abord, c'est le nom d'un ancêtre, et généralement, ça a un lien avec la, enfin, ça soit, enfin, ça va avoir une influence sur la personne à qui ce nom est donné. Donc voilà, donc à peu près tous les noms. Alors évidemment, il y a quelques noms qui sont passés d'une génération à l'autre dont on a oublié la signification, mais globalement, c'est toujours un nom du vocabulaire courant, quoi. Voilà, il y a une question, voilà, mais monsieur. Au fond, un jour. Oui. Je crois que ça marche pas. Ouais. Si, c'est bon. Je m'appelle Isaac, oui, et je voulais savoir si vous êtes fier de votre livre. Ah, est-ce que je suis fier de mon livre? Oui, parce que... En fait, je crois que je suis... C'est toujours un peu délicat, parce qu'en fait, vous voyez, quand on écrit un livre comme ça, on fait ça pendant des années, on est tout seul. Moi, personnellement, mon mari savait... Bon, il savait que j'écrivais sur les Inuits, mais je veux dire, il savait pas... peut-être pendant des années, j'ai vécu avec ça dans ma tête, toute seule. Et mes proches, voilà, savaient pas exactement ce que je faisais. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que, enfin, ça m'a vraiment passionnée, j'en ai rêvé la nuit, j'y pensais beaucoup... Et puis un jour, le livre sort. Et là, on ne peut plus rien y changer. Il est là. J'en suis fière à deux moments. J'en étais fière le jour où je l'ai fini. C'est-à-dire que je me suis beaucoup épanouie à écrire ce livre, même s'il est dur à certains moments. Moi, je trouvais que ce que j'avais lu de la culture des Inuits m'avait aidé à vivre ma vraie vie. Je trouvais que ça, je sais pas, j'avais l'impression que ça me rendait... plus forte, je sais pas, mais ça me donnait une autre ouverture sur la réalité. Donc j'étais fière une fois que je l'ai fini toute seule. Et puis là, il se trouve que celui-là, en plus, il a rencontré un certain succès. Donc je me dis que si moi, j'ai écrit ce livre-là sans être allée dans l'Arctique et en parlant de choses qui sont très loin de notre quotidien en France, et que malgré tout, ce livre, il a plu à des gens, c'est que je me dis, j'ai dû réussir à dire quelque chose qui parle à chacun. C'est-à-dire que j'ai dû réussir à parler d'une nature qui nous fait envie ou qui nous effraie. Enfin, voilà. Si le livre a autant circulé, c'est que j'ai dû réussir à dire quelque chose d'un peu universel. Le mot est un peu prétentieux, mais je crois que c'est vraiment ça le but de la littérature. C'est, oui, il y a des gens qui écrivent leur histoire personnelle, et des fois, en écrivant quelque chose de très intime, on arrive à rejoindre plein de gens. Et ben moi, en écrivant quelque chose qui était très lointain de notre quotidien, j'ai aussi réussi à rejoindre plein de gens, donc j'ai dû réussir quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement, mais il y a quelque chose qui a marché. Voilà. Il y avait une question par là. Merci. Oui. Bonjour, je m'appelle Ismaël. Bonjour, Ismaël. Du coup, je voulais savoir, quel est votre personnage préféré? Ah, c'est difficile à dire. Bah, évidemment, celle qui m'est le plus proche, c'est sans doute Ouxouralik. Ou d'une certaine façon, en plus, je m'identifie un peu. Enfin, voilà, il y a une partie de moi qui est dans Ouxouralik. Après, je dois dire que j'aime aussi beaucoup Sonic, la vieille. J'aime aussi beaucoup le chaman, enfin, le dernier, Naja. Il a aussi la petite fille. Et bien après, voilà, j'aime moins les méchants, mais encore, même les méchants, je les aime aussi. Donc voilà, celle dont je me sens le plus proche, c'est évidemment l'héroïne. Mais en fait, c'est aussi ça qui est chouette dans un roman. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait en tant que lecteur et lectrice, mais c'est qu'en fait, on... Évidemment, tout ça, c'est des choses que moi, je ne vivrais jamais. Mais la littérature, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et moi, me mettre dans la peau du vieux qui a tué son fils, ça m'intéresse aussi, en fait. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple, ce personnage qui est quand même le plus noir, le plus sombre, vraiment le plus méchant de tout le roman, une fois quand il raconte son histoire, vous vous souvenez ce que c'est son histoire? Vous vous souvenez pourquoi il est si méchant, en fait? Le vieux? À un moment donné, il le raconte dans un champ. Et en fait, on comprend qu'en fait, ben, il a eu lui-même une enfance quand même assez difficile. Il a une histoire très sombre, de jalousie, qui s'est instaurée, et en même temps, tout en étant très méchant, il s'est quand même occupé de son frère et de sa sœur quand ils étaient plus jeunes. Donc vous voyez, ça permet, le fait d'avoir plusieurs personnages dans un roman, quand on l'écrit ou quand on le lit, ça permet d'adopter plusieurs points de vue, et ça, c'est super intéressant. Donc évidemment, voilà, il y en a dont on se sent plus ou moins proche, mais cette variété-là, c'est important.
c'est, enfin, que ce soit en littérature ou dans la vie, c'est ça quand même qui compte beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'empathie. C'est non pas aimer tout le monde, c'est pas ça la question, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais à un moment donné, être capable de se mettre dans la peau de l'autre, essayer de comprendre ce qu'il est en train de vivre. Et ça, bah, le fait de, dans un roman, quand on doit le faire, le fait de devoir écrire ça, c'est sans doute encore plus fort que quand on doit le lire, mais c'est super intéressant. Il a été question des chants. Moi, ce sera ma priori ma dernière question, parce que je n'oublie pas qu'on aimerait bien vous entendre. Mais justement, les chants, dans le livre, ont au moins deux fonctions. Hein, un peu comme les rêves tout à l'heure, mais différemment. C'est-à-dire que c'est un ornement, de la même manière qu'ils viennent dans les rituels produire quelque chose de beau. Et il raconte une partie de l'histoire aussi. Ah bah, il raconte surtout, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, chez les Inuits, le chant, bah, c'est une fonction vraiment encore plus importante que chez nous, la musique peut avoir. Moi, il me semble que dans nos cultures, la musique, c'est un vecteur, c'est un motif de réjouissance commune, c'est une façon d'exprimer des choses. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai forcément 3-4 chansons dans la tête par jour. Enfin, je veux dire, je vis avec la musique. Chez les Inuits, il y a ça, mais c'est encore plus important. C'est-à-dire que ça a des valeurs, des fonctions sociales très, très fortes. Et vous voyez, par exemple, je vous parlais du chant du vieux tout à l'heure. En fait, on règle même les conflits. On les règle avec des chants. Les souvenirs, on les transmet avec des chants. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre, les messages d'amour, on les transmet aussi avec les chants. Par exemple, quand une femme met au monde un enfant, elle compose un chant spécifiquement pour lui qui sera son chant toute sa vie. Et donc voilà, chez les Inuits, qui sont par ailleurs des gens extrêmement pudiques, c'est-à-dire que les Inuits, ils se plaignent pas, ils se vantent pas. Moi, je les aime bien aussi pour ça. Autant les Américains sont toujours en train de dire on est les plus, ils sont toujours dans la performance, en train de dire qu'ils sont les plus forts, etc. Mais par exemple, chez les Inuits, ça ne se fait pas du tout, ça. On essaye toujours de faire profil bas. C'est-à-dire que si on veut montrer qu'on est courageux, ben, on accomplit un acte courageux, mais on ne rentre pas au camp en disant « je suis le plus fort, c'est moi le plus courageux ». Et par contre, les chants servent à ça. Effectivement, là, dans les chants, on a le droit d'exprimer toutes ces choses-là. Et vraiment, voilà, c'est un élément de la culture inuite qui est super important. Ouais, je suis en train de chercher des équivalents chez nous, il n'y en a pas tellement. Ouais. Bonjour, je m'appelle Adam. Oui. C'était pour vous poser la question. Est-ce que vous aurez aimé vivre avec eux ? Oui, vraiment oui. Et tant que j'écrivais le livre, je crois que ça me faisait un peu peur parce que je me disais l'Arctique, ça doit être. Enfin, on n'est pas fait pour ça. Il fait beaucoup trop froid. Et en fait, là, j'étais en Alaska au mois de janvier. Alors, c'est sûr, il fait très froid. Là, il a fait jusqu'à moins 35 où j'étais. Donc, effectivement, c'est très froid. Il n'y a pas de doute. Mais en fait, si un jour vous avez l'occasion, vraiment, il faut y aller. Il faut vraiment, enfin, avoir la chance d'expérimenter ces régions-là du monde où il peut faire jour 24 heures par jour ou nuit 24 heures par jour, c'est vraiment un truc fabuleux, quoi. Et passer du temps, même encore aujourd'hui, même si la vie des Inuits a beaucoup changé, si je pouvais passer, bon, alors après, voilà, j'ai une famille, etc., je vais abandonner personne, mais si je pouvais passer 2 ans là-haut, je le ferais parce que c'est vraiment fabuleux. Enfin, il y a un truc, alors, et c'est sûr que la vie, elle est dure, mais. Je vous raconte juste un truc, en plus là j'ai écrit un article après mon voyage en Alaska, puis je l'ai relu ce matin parce qu'il va paraître bientôt, et à un moment donné, quand je l'ai relu, je me suis dit oui, c'est exactement ça. À un moment donné, j'étais dans l'Arctique, donc c'était fin janvier, c'est une toute petite ville, enfin, il n'y avait pas grand chose à faire, et en fait il y avait du vent, et j'étais à l'intérieur, je ne pouvais pas sortir. Ce jour-là, il y avait vraiment beaucoup de neige, beaucoup de vent, il faisait très froid. Et j'allais dire, il y avait du vent, et en fait, ce simple fait me suffisait. C'est-à-dire que j'étais là, et le fait de constater qu'il y avait du vent, ça aurait pu me faire toute la journée, quoi. J'aurais pu passer ma journée à écouter le vent et à regarder le soleil se lever 2 heures par jour, en fait. Je crois que j'aurais pu passer toute la journée à ça, quoi, en fait, à guetter les 2 heures de soleil et à écouter qu'il y avait du vent. Et voilà, pour nous qui vivons dans un environnement urbain, dans des villes, dans les transports, quelque chose qui nous sollicite tout le temps, le fait de savoir que sur la planète, il y a des endroits comme ça où on est en contact permanent avec les éléments, c'est un truc super reposant, quoi. Enfin, on voit forcément les choses différemment, quoi.
Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça vous arrive de relire vos romans une fois que vous les avez terminés ? Les miens ? Oui. Bah, des fois, quand je suis obligée pour faire des lectures et tout ça, mais je le fais que si je suis obligée. Voilà. Je dis pas que... Alors d'abord, parce qu'en fait, quand on l'écrit, on y passe quand même beaucoup de temps, et qu'ensuite... on en a marre, en fait. À la fin, on a marre de relire toujours le même texte. Donc, après, une fois qu'il sort, si la première fois qu'il arrive en livre, on le relit pas en entier, mais c'est vrai qu'on relit des passages, parce que, d'un seul coup, le fait de le voir imprimé dans un livre, ça devient un objet qui nous appartient plus. Et ça, donc, c'est rigolo de le lire en essayant de se mettre à la place du lecteur. Mais sinon, non. Enfin, on est déjà tellement obligé de les fois de le faire pour le travail, puis... Et puis surtout, moi, j'ai l'impression que j'ai jamais le temps de lire assez souvent, alors je vais préférer lire des trucs que je connais moins bien. Mais oui, ouais, y a un moment où on en a marre, il y a un moment où on est content de savoir qu'ils existent. Après, de là, le relire en entier, non. Ce qui fait que des fois, j'oublie mon texte. C'est-à-dire que ça m'arrive des fois de lire un truc, je ne me souvenais pas de ça. Oui. Bonjour, c'est pour savoir si... pourquoi avoir pris cette population ? Pourquoi cette population en particulier ? Bah, c'est vrai que c'est pas évident, surtout que je vous dis, je les ai découverts alors que j'étais dans le sud des États-Unis. Enfin, j'ai découvert l'art inuit, en fait, les sculptures en os et en ivoire. Et je sais pas, en fait, ça s'est fait un peu malgré moi, quoi. En plus, j'étais pas quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui sont fascinés par le Grand Nord. Moi, c'était pas particulièrement mon cas. Je me disais pas, j'avais pas de fantasme particulier. Mais en fait, c'est quand j'ai vu leurs œuvres d'art, vraiment, je me suis dit, est-ce que vous avez vu dans vos recherches, vous avez eu l'occasion d'en voir des petites sculptures inuites ? Souvent, c'est des petits animaux. Maintenant, elles sont beaucoup plus grandes, mais en fait, c'est des formes très épurées, très lisses. Et c'est à la fois hyper simple et en même temps ça évoque très très fortement, par exemple les sculptures d'ours, elles sont très simples, presque grossières on pourrait dire, et en fait elles évoquent incroyablement bien l'animal en question, c'est-à-dire qu'en quelques traits, en quelques lignes très très simples, ils arrivent à évoquer des choses naturelles avec beaucoup de force, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on voit quand ils sculptent un morse, on voit vraiment, si on prend la peine de regarder un peu le mouvement des morses, on voit très bien le morse. Et je crois que moi, en littérature, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Des choses qui soient à la fois très simples à comprendre, à écrire, mais qui soient très fortes en émotion, en évocation, des choses qui soient frappantes, on va dire. Donc voilà, je les ai choisis eux parce que je trouvais qu'ils avaient une connaissance de la nature qui était exprimée de façon très simple et qui me paraissait en fait très profonde. Très, très... Ils ont une compréhension de la nature qui va très loin par rapport à nous. Voilà. Vous pouvez avoir encore des questions ou aussi, j'y reviens, avoir envie de nous lire quelque chose de ce que vous avez écrit. Qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez poser encore quelques questions ou nous faire entendre vos textes ? Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, il y a encore des questions, mais est-ce que certains auraient envie de lire leur texte ? Voilà, on essaie de... Allez, on prend deux questions, je tranche. On prend deux questions, je tranche au houlou, et après, vous nous lirez quelques textes. Ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un et prendre une photo avec lui et tout ? Genre, dans la rue ? Alors non, parce que je trouve que c'est pas très... Enfin, pas comme ça, pas quelqu'un que je croiserais dans la rue et à qui je demanderais une photo. Il y a un truc, ça serait un peu. Ah, des fans. Ah oui, pardon, moi j'étais restée sur les Inuits. Selfie, quoi. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que ça m'est arrivé ? Oui, ça m'est arrivé. Ouais. Ça m'a beaucoup surprise, mais oui, ça m'est arrivé. Dans un festival comme ça, de croiser quelqu'un dans la rue, on n'était plus du tout dans le festival. Effectivement, oui, voilà. Donc c'est très surprenant parce que normalement, en tant qu'écrivain, on est rarement des rockstars comme ça. Ça m'est arrivé une fois. C'est la dernière. Dernière question avant. Ouais, avant une dernière question. Texte. Vas-y. Et du coup, ce roman, est-ce que c'est l'œuvre dont vous êtes la plus fière ?
D'une certaine façon, oui, parce que c'est la dernière, c'est celle sur laquelle je me suis vraiment investie. Ça, c'était plusieurs années de travail et j'espère sincèrement que ça changera quand j'aurai écrit le prochain. J'espère que j'aurai mis suffisamment de moi et que je l'aurai suffisamment réussi pour que ce soit le prochain dont je sois le plus fière à ce moment-là. Mais oui, actuellement, c'est quand même le roman dont je suis le plus fière, on peut dire ça. On a quelqu'un qui a beaucoup envie d'une dernière question. Allons-y. C'est pour savoir, est-ce que vos histoires, vous les écrivez à la main ou dans une feuille ou l'ordi? Non, mais si, c'est effectivement, en fait, alors c'est marrant. En fait, dès que je commence à rédiger l'histoire elle-même, là, je travaille à l'ordinateur parce que je sais que je vais corriger énormément. Mais en revanche, tout ce qui est prise de notes, c'est reprendre des notes aussi bien sur des informations que noter quelques idées au passage, ça, je fais toujours ça dans des carnets. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même phase de travail. Généralement, quand je commence à écrire sur l'ordinateur, c'est que j'ai déjà quelque chose d'assez clair en tête et que oui, il y a vraiment le travail de rédaction qui commence. Mais il y a plein de choses qui se passent avant que j'ai besoin de noter à la main. Donc, voilà, merci. Quelqu'un pour cette se lève et nous lit un texte. Bonjour. Bonjour. Alors, vas-y. Ouais, je vois un peu. Donc, je vais vous lire le poème, inspiré d'une image du livre. J'ai pas mis de titre, je sais pas pourquoi. D'accord. Sans titre, voilà. Iceberg en séparation, disparition d'espace, le destin d'un glaçon, c'est la fonte des glaces. C'est super. Espace en menace, disparition des races, beaucoup moins de place pour les habitants de glace. Dame banquise, je te vois te briser, j'ai juste envie de m'énerver contre ces humains trop pressés. Ours polaire bientôt en manque d'air, subissent une menace quotidienne, fautif le réchauffement de l'air, c'est de finir dans la mer. C'est très chouette. Bien vu, bien vu. C'est super parce que c'est un texte, mais quasiment chaque petit groupe de vers pourrait former ce qu'on appelle un haïku, c'est-à-dire des poèmes très très courts. Et l'ensemble marche bien aussi, mais je veux dire, chaque paragraphe contient déjà beaucoup de choses à chaque fois et c'est assez fort. C'est toi ? Allez, vas-y, ma chérie. Allez, vas-y, vas-y. Tu veux que je te tienne le micro ? Oui, s'il vous plaît. Allez, vas-y. Alors moi, c'est un calligramme, ouais, qui ressemble à un T. Ok. Et qui m'a inspirée par rapport à la mort de Touloukarak. Ouais, d'accord. J'ai souri, j'ai aimé, j'ai perdu et me rappeler me rend plus abîmé. Ouais. Tu veux le tenir ou je le tiens ? Moi, c'est vraiment trop court. C'est un calligramme aussi en forme de H. Ok. Pour le Ila. Ok. J'ai dit la petite Ila aux 10 petits doigts, aussi belle que le froid. Quand on la voit, on s'en mord les doigts. Je savais pas quoi dire, hein, mais... Ouais. C'est non, mais c'est bien. C'est très bien. Bravo. Un ou deux autres ? Enfin, même plus, mais... Alors, il y a Mehdi. Alors, Mehdi et Pierre. Vas-y, Mehdi. Allez, Mehdi. Moi ? Oui, enfin, je dirais pas trop vite. Moi, je l'ai appelé Ikasuk.
Comme la chienne. Je ne puis tout transporter. Parti pendant une saison, je dois me débrouiller seul. Quand est-ce qu'ils reviendront ? Un bruit me fait sursauter. Que vois-je, ma chère Ikasuk ? Ce jappement, je l'ai reconnu entre mille. Qu'elle soit là me soulage. Et de la voir, je suis si content. Elle m'aidera dans ma quête. C'est fini. En fait, je pourrais le mettre dans le roman. J'ai écrit un petit poème en m'inspirant de Uxuralik. Mon cœur est abattu, sur une banquise je me suis perdue. Mais Uxuralik, où vas-tu? La lune disparaît, le soleil apparaît. Je prends mon kayak et je m'en vais. Ça y est? On est au bout du temps, en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Ouais. Merci Bérangère. Merci. En espérant que ça vous donne envie de continuer à lire. Hein, puisque... Moi, j'ai quand même juste une dernière question. Vous, c'est quoi votre personnage préféré pour les uns et les autres? C'était qui? Ouais, toi, tu dis. Le géant? Ah, je suis contente que quelqu'un... Uxuralik. Le géant, il est assez marrant, mais vous savez, c'est ça aussi qui est chouette dans des cultures, la culture inuite, par exemple. Enfin, vous voyez, je sais pas si vous, parmi vous, il y a des lecteurs de fantasy, de genre comme ça, où il y a des monstres. Mais par exemple, dans la culture inuite, il y a des monstres incroyables. Enfin, là, je parle de quelques-uns, mais il y en a beaucoup et tout. Et en fait, pour l'imaginaire, c'est quand même très, très excitant, tout ça. C'est ces histoires de mythologie, de légende. Il y a vraiment des êtres... j'aime bien aussi le géant. Il y a une forme d'étrangeté. Enfin, il y a quelque chose d'assez amusant aussi, enfin dans ces histoires-là, dans ces mythologies lointaines, et a priori on pourrait se dire que ça nous est très étranger, et en fait, bah, bizarrement ça nous plaît quand même. Et si ça nous plaît, ça veut dire que ça parle à quelque chose qu'on a en nous. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles aventures en fait de ce type-là, voyagez autant que vous pouvez et lisez aussi si vous pouvez voyager. Merci à vous. Je vais pas être très longue. Je voulais juste vraiment vous remercier toutes et tous, remercier Bérangère Cournu de nous avoir fait vraiment ce don et cette rencontre. Remercier Gwenaëlle. Et je voulais quand même aussi témoigner de toute la joie, le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous pendant toutes ces semaines. Et vraiment un grand, grand merci. Continuez à lire, mais continuez aussi à écrire, parce que vous avez fait vraiment des très, très belles choses. À prendre des photos, enfin voilà. Un grand, grand merci. Si vous en êtes d'accord, vous vous souvenez, on vous avait demandé d'amener votre livre parce qu'on voulait vous proposer de faire une petite photo tous ensemble pour qu'on ait un souvenir.